Bonjour tout le monde, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo en lien avec les différentes expositions du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Dans la vidéo vous avez pu voir différents intervenants. Eh bien cette vidéo c'est la version non montée. Vous allez pouvoir voir les différents intervenants, les questions que je leur ai posées et vous allez voir que pour certains il y avait des interactions, que pour d'autres il y avait un fil conducteur, que j'ai plus ou moins tronqué pour des raisons de fluidité dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, il n'y a aucun montage. Enfin si, il y a juste un passage ou deux où j'ai coupé quelques trucs parce que, voilà, secret défense, ce qui est Angoulême reste à Angoulême. Donc là, c'est vraiment une version non montée où il n'y a rien. Donc n'attendez rien de plus. Bonjour, bah, je suis avec... Je dois te présenter. Eh ben, Dar Juju de la capsule manga. Et Manga Badass. Donc on va parler des trois expositions, une par une. On va commencer par celle de Shigeru Mizuki. Oui. Qu'est-ce qu'on a pensé? Ah bah elle est incroyable, hein. Cette fois ils l'ont fait plus par thématique, mais revoir les planches avec le détail de justement des corrections de tous les monstres, etc. Ça donne une autre dimension clairement au travail de Mizuki que des versions directement imprimées. Donc enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça incroyable. Et toi t'en as pensé quoi? Bah étant tout nouveau dans les œuvres de Mizuki, bah moi je trouve ça très très appréciable parce que ça apporte pas mal de choses. Pareil, j'ai adoré voir toutes les corrections qu'on peut trouver sur les planches, ça apporte vraiment quelque chose. Et puis ça m'a vraiment donné envie de découvrir encore plus d'œuvres, donc je me suis fait plaisir, je me suis pris Opération Mort, je me suis pris Nonomba dans des belles éditions, et puis surtout le catalogue qui est magnifique. Hein, je l'ai à peine feuilleté et je sais que je vais revivre l'exposition et ça j'adore. C'est indispensable. Hein, ouais, ça me fait regretter de ne pas avoir fait l'exposition de Taiyo Matsumoto. Maintenant on parle de celle de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et Fire Force. À chaque fois j'ai dit Fire Force ou Fire Punch? Punch. Ouais, Punch, à chaque fois je me confonds. Mais en fait la scénographie, ils ont vraiment mis le paquet en fait sur le décor, sur l'immersion dans l'exposition. C'était vraiment incroyable aussi. Et je pèse pas mes mots parce que généralement elles sont assez sobres les expositions secondaires. Et là c'est tout un univers lié au cinéma, lié au chaos, lié aux monstres qu'ils créent. Et j'étais mais totalement transporté dans l'exposition. Et pourtant c'est juste des planches qui sont reproduites puisqu'il fait que du numérique. Mais le décor autour valait le coup. Bon, à toi. Attends. Ça mieux. Ouais, non, mais j'ai été pris, enfin, je vais pas dire époustouflé, mais la mise en scène est assez incroyable. On rentre dans un cinéma vraiment très marqué, bah, cinéma rétro un peu à l'américaine, un peu creepy, hein, très creepy show avec la fille à l'entrée ouais, qui fait ouais, le petit ticket. Billets, non, franchement, la mise en scène est géniale, mais on sent aussi que c'est pour compenser quelque chose. On sent que c'est pour compenser le fait, bah, le meilleur pour moi, c'était les interviews qu'il y avait à la télé. Il y a plusieurs interviews de l'auteur. Masqué avec son petit avec son comment il s'appelle déjà Pochita. Mais on sent voilà que c'est du numérique donc c'est trop récent donc on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'apports que quelques planches qu'on connaît pas par rapport à ses premiers one shot qui vont sortir en plus hein. Ils sortent ouais, dans qui vont quelques sortir. Mois donc après voilà il n'y a pas beaucoup d'éléments donc on sent vraiment que voilà ça compense dans une super mise en scène. Après il y a plein de petits goodies derrière, franchement ça vaut le coup, faut y aller, c'était super, voilà. Mais on sent que voilà, on sent qu'il n'y a pas cet apport, c'est trop récent. Voilà. Oui, je pense que le fait que ce soit en numérique, justement, ouais. Pour mettre, on met en place un univers, on met en avant son univers, alors que quand on voit les planches originales qui ont été retravaillées, on préfère mettre en avant les planches ouais. Et avoir un décor plus sobre. Je vous en montre deux, trois, mais crois. Finalement, ouais. Les deux allaient bien du coup, c'est super. Mais les vidéos étaient excellentes, hein. On voit d'ailleurs son travail en numérique dessus, en accéléré, c'est assez impressionnant. Moi j'ai beaucoup aimé en fait l'interview ouais. De l'auteur. Et aussi de, comment on l'appelle, de Tanto ouais. Aussi qui était très intéressante aussi. Et donc la dernière c'est celle de Inuo, je sais pas si vous l'avez vue. Oui. Ouais. Tout à fait, alors là c'est une expérience beaucoup plus simple, c'est plus pour expliquer un petit peu le travail de Matsumoto dessus, le travail d'animation qu'il y a eu avec même un extrait vidéo avec les éléments clés et le résultat final. Et c'est plus un petit preview, une petite immersion pour donner envie d'aller voir le film. Et moi perso ça m'a donné envie donc je suis allé choper mon billet d'avant-première pour aller le voir ce soir. Et toi, t'as pensé quoi? Non mais voilà, t'as tout dit, c'est vraiment une toute petite exposition, mais je pense qu'elle va vraiment... elle est parfaite pour l'avant-première qu'il y a ce soir. Bon, moi je pars, j'y suis allé avec ma femme, elle a réussi à quand même faire la remarque que c'était des dessins d'enfants de 5 ans. Voilà, concernant Taiyo Matsumoto. Ce qui me dégoûte un petit peu, mais bon, c'est normal, beaucoup ont du mal à adhérer au graphisme.
Moi j'adore ça, en tout cas Masaki Yusa. Masaki Yusa. Voilà, il est reconnu dans ses animés, il est excellent. Moi j'avais qu'une chose envie, en fait, je me dis que cette exposition, elle va avec l'avant-première. Toute seule, surtout. Il manque de l'achat de. Surtout si t'as vu Ping Pong, oui, c'est, bah, bien c'est sûr. Lui qui l'a fait aussi en mais plus. Oui, bien sûr. Donc tu peux être mais, que confiant. Mais il manque dans cette exposition pour moi un achat de pas de posters, mais de choses qui mettent en avant, qui repartent avec quelque chose, parce que pour ceux qui vont pas pouvoir voir l'avant-première. Ben, ils le verront plus tard, mais ouais. Voilà. C'est un petit avant-goût. Voilà, c'est ça. Ben, bonjour à tous, je suis Bruno de la Cruz, journaliste pour le magazine Animeland. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition de Shigeru Mizuki ? Alors, pour Mizuki, ben, évidemment, du très bon boulot fait là-dessus. On est vraiment dans la continuité de ce qui a été fait pour Tsuge, notamment. En termes de mise en scène, si vous voulez, ça fait un petit peu intimiste, mais on est quelque chose de sobre. Ce qui est important dans une expo, en tout cas, moi je crois, c'est les informations. Et pour le coup, on a énormément d'informations sur ses œuvres de jeunesse, sur son parcours, sur l'homme, sur l'artiste, ce qu'il a connu dans la vie privée, ce qu'il a amené au monde du dessin et du manga. Donc vraiment, c'est chronologique, c'était bien fait, c'est bien argumenté, c'est très bien renseigné, il y a des originaux. Donc, que l'on soit, on va dire entre guillemets, spécialiste, amateur, on en a vraiment pour tous les niveaux en fait. On comprend tout, on sort avec quelque chose de l'expo et je pense que c'est le plus important. Donc ouais, super boulot, bravo à Xavier Guibert et son acolyte dont j'ai honteusement oublié le Leonardo, nom. Je crois, ou quelque chose non. Comme ça. Ou... En plus, il y a aussi, également la fille de Mizuki également qui est concernée. J'ai vu tout à l'heure la conférence. En même temps, qu'est-ce que tu as pensé de la conférence d'un pompier ? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition ? Ah, vous voulez faire votre travail ? Pas de soucis. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition sur Tatsuki Fujimoto ? Bah, comme tout le monde est impressionné par le travail, la scénographie. En fait, ce qui est fort là-dessus, c'est qu'ils ont fait une histoire quand même à travers l'exposition. Ils n'ont pas juste mis des choses qui sont impressionnantes ou tapent à l'œil. Donc, il y a vraiment toute une histoire. Tu rentres dans un cinéma, tu récupères ton ticket, tu traverses un couloir, tu vas dans la salle qui est dans le lookback. Donc, t'expliques que tu es dans une création, dans une narration. Ensuite, tu vas sur quelque chose de méta, puisqu'il y a cette salle de cinéma qui est éclatée et tu finis encore sur les coulisses. Donc, il y a vraiment toute une histoire sur l'expo. Et tout comme Mizuki, ce qui est important pour moi, plus que le côté impressionnant ou tape à l'œil ou quoi, c'est tu as des infos. Tu as quand même du storyboard, comparaison de storyboard avec le résultat final. Tu as du témoignage de l'auteur. Tu as des infos sur le process de création. Tu as même un teasing sur sa prochaine série, qui donc apparemment n'est pas trop mal avancée. Femme fatale. Bon, même si ça semblait déjà exister avant, mais donc c'est pas juste une exposition. C'est. Tu ressors avec plein d'infos. Il faut aussi dire que tout comme Xavier sur l'expo Mizuki, Frédéric Anzalone a très bien parlé du titre. Il y a vraiment une autopsie qui est faite sur le style de Fujimoto, ses références, comment est-ce qu'il cadre, comment est-ce qu'il dessine, comment est-ce qu'il raconte. Donc ouais, franchement, on se nourrit à fond de tout ça et c'est presque un sans faute. La seule difficulté de l'exposition, c'est qu'à mon avis, on ne pourra pas la mettre ailleurs. C'est pas le type d'expo que tu peux balader comme ça. De scénographie compliquée, ouais. N'attendez rien de Japan Expo. Enfin, ça rien contre Japan Expo, mais on ne peut pas la transposer ailleurs, tu vois. Mm. Alors que celle de Mizuki, bon, tu peux plus ou moins créer un couloir, tu vois. Donc, ouais, non, du tout bon. Franchement, j'y suis retourné 3 fois parce qu'il y a beaucoup à lire, beaucoup à regarder. Bon, franchement, génial. Ben maintenant, l'exposition sur Inuo de Masaki Yuasa. Ouais, sur Inuo. Alors, elle est un petit peu différente dans le sens où déjà, elle est moins ambitieuse en termes de place. C'est juste une grande salle. Mais ce qui est super intéressant, le point fort, c'est d'avoir les carnets, les vrais carnets de Taiyo Matsumoto, donc qui a signé le chara-design du film, qui sont exposés. Et on peut tourner les pages sur des petits appareils, des tablettes numériques. Et ça, c'est génial. Tu as vraiment l'impression d'avoir le carnet entre les mains. Tu vois toutes ces recherches, tous ces croquis. Il y a aussi des cellulos. Alors, ce ne sont pas de vrais cellulos, mais il y a quand même des images clés qui sont exposées. Ils ont reconstitué un masque
C'est, d'ailleurs, c'est le même studio qui a fait le Chainsaw Man, donc qui a d'accord. fabriqué le masque, le même label. Et tu as un biwa qui a été prêté par l'un des musiciens du, okay, du film. Voilà. Donc, t'as quand même, voilà, t'as quand même des vrais objets. Après, t'as un petit côté avec un petit trailer. T'as deux, trois explications quand même sur le film, sur ce que c'est. Parce que c'est vrai que nous, d'un point de vue en tant que, allez, on va dire pour nous les Occidentaux, le biwa ou ce style de théâtre qui est mis en avant dans le film, on connaît pas. Donc, t'as quand même quelques repères. Donc, tu comprends. Moi, j'essaie toujours de me dire une exposition. Si on connaît, ok, mais si on connaît absolument rien au truc, qu'est-ce qu'on retient, tu vois? Mizuki, bah, tu sais que c'est un précurseur, que c'est un génie du dessin, qu'il a traversé la guerre. Fujimoto, tu comprends que c'est un auteur en marge, qui a des thématiques bien précises. Eh ben là, pour Inuo, tu comprends d'où vient ce théâtre, qui est Matsumoto. Donc voilà, ça c'est au moins tu sors avec quelque chose. Donc ouais, du bon boulot. Maintenant, on a hâte de voir le film parce que j'ai toujours pas vu. Pareil. Donc on espère que ce sera. Donc là, je suis avec Jean-Louis, non, je regarde Lucisco. Et salut. Ils sont tous enfoirés. Il est perdu. Censé dire qui t'es. Bonjour. Bonjour, Anto Sama pour les intimes. Rejoignez-moi sur TikTok. Sur Insta, sur YouTube, Insta, sur Twitch, ouais, sur. On va parler des expositions que vous avez vues. Donc vous avez vu Inuo et Fujimoto. Ouais. Donc vous avez pensé quoi de celui de Tatsuki Fujimoto? Exceptionnel. En fait, j'ai été surpris de A à Z parce que tout ce que je retrouvais chez l'auteur quand je lisais ses mangas, donc en l'occurrence Fire Punch, Chainsaw Man et plus récemment Look Back, c'était des trucs qui étaient au fond de ma tête où je me suis dit, ah, peut-être qu'il s'est inspiré de ci. Et bah, en fait, il s'est inspiré. Donc ça veut dire que le gars, j'arrivais à lire entre ses mangas, entre son histoire, et ça fait quelque chose de voir qu'un auteur comme lui s'inspire énormément d'un genre que j'aime, et c'est le cinéma, et donc ça fait quelque chose en fait d'être là devant. C'est cool en vrai, c'est stylé. Et toi, t'as pensé quoi de Tatsuki Fujimoto, l'exposition? Un beau musée. Je regrette seulement de pas avoir eu des planches inédites. Mais sinon, c'était vraiment bien fait. Hein? Ouais, sûrement, mais après, bon... ouais, c'est clair que là, je m'attendais à... Je m'attendais à avoir des planches que j'avais pas vues. C'est juste là mon petit bémol. Mais sinon, c'était un beau travail incroyable et j'ai vraiment kiffé. Et toi? Moi, j'ai kiffé. Hein ouais, moi j'ai kiffé aussi. Hein, j'ai un strabisme, j'ai l'impression que je regarde pas. Je ne pas réaliser, c'est pour ça. Non, moi aussi j'ai kiffé, franchement, c'est une super exposition. J'ai bien aimé, c'est à la toute fin, quand il y a les storyboards. On va vite fait, il y a 2-3 ouais, pages où tu vois ouais. le travail d'origine et le rendu final, c'est sympa. Ouais, je suis totalement. Après, le problème, c'est comme il bosse en numérique, c'est que des photocopies de ce qu'il a fait en fait. Oui, bon, ça, c'est pas trop gênant. C'est vrai que c'est pas pareil que quand tu vois des originaux, tu vois la peinture, etc., les petits crayons. C'est clair. En tout cas, très belle exposition. Ouais. Et donc, Inuo, vous l'avez vu aussi? Donc, t'en as pensé quoi? Pas encore pour Inuo et. Vous avez vu que ça dessus? En fait, on a fait Fujimoto et on a pris la blinde parce qu'il y avait une queue de malade. Ok. Et dès que je suis sorti, j'ai dû voir Akana pour. Direct, on a foncé parce qu'on devait faire un truc. Après, on allait manger. Franchement, on n'a pas eu le temps de faire grand chose parce qu'on a enchaîné plein de trucs. Mais ouais, on va faire Mizuki du coup et après, on va aller voir Inuo et. Je pense que globalement, on va s'arrêter sur ces deux expositions-là. Ouais. Mais pour revenir, du coup, il y a un grand travail en termes de décor et tout ce qu'il y a derrière avec Fujimoto. On nous a donné des petites étiquettes en mode comme si on allait regarder un film. Il y a une direction artistique qui est exceptionnellement inspirée du lore et de l'univers du cinéma. T'arrives, il y a un truc en mode salle de cinéma. La première expo, quand tu rentres sur ta gauche, paf, on te met en avant le truc du cinéma. Il y a des reproductions de certaines scènes, notamment dans Look Back, où on a clairement le plan de travail de Fujino. Où il y a des histoires plus ou moins, pas exceptionnelles, je dirais, mais genre inédites, où on te fait comprendre que le type estime que le cinéma a autant de level que le manga. Et moi, dans mes putains de vidéos de merde, c'est ce que je fais depuis la nuit des temps, donc je peux que kiffer. T'as un truc à rajouter ou non? Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il vient de raconter? Ouais, ouais. J'ai pas écouté. Ouais, il est pas attentif. À l'école, il avait deux. Salut. Non, c'est quoi la question? Non, juste comme ça, il avait dit qu'il aimait bien le cinéma. Le fait que Fujimoto mette en avant le manga et le cinéma, voilà, même auteur avec moi, je suis totalement d'accord. Ouais, merci, c'est très mal interprété. En même temps, c'était écrit. Hein. Ouais, mais moi, c'était écrit là, moi, je le fais. C'est vrai. Ok. Ouais, c'est gentil. Très, très influent, il s'est vraiment fait influencer par le cinéma, je trouve.
Ouais, je vais couper. Hey, bonjour, je suis Sébastien, je suis le responsable marketing, presse, événementiel, relations libraires et réseaux sociaux de Vega Dupuis, le label manga de Dupuis. Je suis Mangavore. Je suis aussi Seb Kuhn de Mangavore depuis maintenant 23 ans. Ok, qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition de Tatsuki Fujimoto ? Alors, l'exposition de Fujimoto, j'ai trouvé la scénographie très chouette. Voilà. Et j'ai trouvé les vidéos à la fin d'interview de l'auteur et de l'éditeur, ainsi que les vidéos de comparatif brouillon planche finale, très intéressante et très instructive. Voilà. Après, c'est toujours triste, enfin non, je reformule, c'est pas du tout triste, c'est l'inverse, c'est que les expos à Angoulême, en général, ce qui est ouf, c'est qu'on voit des originaux, donc on voit vraiment le travail de l'auteur, là où il s'est planté, il a mis du Tipex, ce genre de truc, etc. Et là, évidemment, comme Fujimoto, il travaille en numérique, bah, il n'y a pas d'originaux, donc c'est un peu moins chouette, ça. Mais à côté, ils ont vraiment compensé avec un gros travail en scéno, et donc ces vidéos d'interview qui, en fait, sont hyper instructives. Et le principal dans une expo, quand même, c'est d'apprendre plein de trucs. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition sur Inuo ? Alors, Inuo, je l'ai trouvée un peu petite à mon goût, dans le sens où, en fait, elle est hyper chouette, elle est hyper intéressante, très visuelle, très compréhensible, les textes sont cool. Et du coup, en fait, une fois que tu l'as fini, tu dis, bah non, j'en veux plus, en fait. Voilà. Et en plus, moi, j'ai raté la projo au CGR, donc du coup, je suis d'autant plus frustré. On est deux. Et bah voilà, on est très frustrés. Je te comprends. Ouais. Et bah, l'exposition. T'aimes bien Slam Dunk, toi ? Quoi ? T'aimes bien Slam Dunk ? J'aime bien Slam Dunk. Tu sais, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu Sakuragi et comment. Tu sais, je te comprends. Et donc, qu'est-ce que t'as pensé de l'exposition Mizuki ? Et bah, la Mizuki, j'y suis pas allé, donc j'ai pensé que je suis hyper frustré et qu'il faut absolument que j'essaye d'y aller demain. Parce que justement, il y a des originaux de ma boule de Mizuki. Et honnêtement, si vous êtes au festival et que vous n'y allez pas, mais. Enfin, franchement, allô quoi ? Surtout que là aujourd'hui on est samedi et il n'y a plus de catalogue où ils sont bientôt en rupture. Est-ce que tu as cherché dans les autres bulles ? Moi c'est bon, je l'ai. Hein. Je l'avais sécurisé au mois de février donc je l'avais précommandé. Ah le bâtard. Et... J'ai pas le cicatrice et le cache-œil. Je m'en vais. Bonjour, c'est Vitel, ça va ou quoi ? Alors qu'est-ce que t'as pensé de l'exposition Tatsuki Fujimoto ? Bah en vrai elle est assez extraordinaire, elle est super bien construite, la scénographie est trop bien en fait. Ils ont réussi à retranscrire un petit peu l'ambiance un petit peu dark mais tout en étant très coloré de Chainsaw Man, c'était vachement intéressant. En plus ce qui est cool c'est que Fujimoto c'est particulier parce que du coup il est uniquement numérique, ouais. Donc du coup on n'a pas d'originaux, mais ils ont quand même réussi à avoir des planches de fou, des designs de fou. Alors, en vrai elle était trop bien, moi je me suis régalé sur l'expo. Est-ce que t'as vu l'exposition de Inuo ? Alors ouais, j'ai pu voir l'exposition d'Inuo, je l'ai même carrément interviewé pour te dire. Donc comment te dire que là, il y a eu un petit sueur quand même de ma part pour l'interview. Donc du coup, en fait, j'ai fait l'interview avant d'aller à l'expo. Donc du coup, c'était assez rigolo parce que du coup, j'ai pu avoir un peu mieux conscience de ce qui se passait. Et honnêtement, l'expo est trop bien parce qu'on voit vraiment des key animations. Et ça, c'est quand même vachement bien. On voit aussi des carnets de croquis Matsumoto. Et ça, par contre, ça, c'est broken parce que... Tu te dis à aucun moment il te laisse des originaux. Ah bah si, t'as laissé genre vraiment trois carnets de recherche. T'as le cahier, tu peux le feuilleter comme si c'était une tablette. On est à deux doigts, on est à deux doigts et c'est franchement c'est super agréable. Il y a aussi la petite partie où il montre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'animation. Avec il y a une télé où c'est que des parties du trailer bien sûr, mais tu vois vraiment tout le découpage et tout. C'était un régal, je me suis éclaté aussi sur cette expo. Est-ce que t'as vu celle de Shigeru Mizuki ? Ben non, malheureusement, j'ai pas pu. J'ai pu faire que les deux là. Ouais, c'est pas de soucis. Mais parce que, le travail quoi. Ouais, mais je comprends. Mais c'était un plaisir en tout cas. Ah bah merci.